geekbécois.com. Salut, ici Eric de Geekbécois. Aujourd'hui, on va faire un test super amusant avec le Samsung Galaxy S7. On va l'immerger dans l'eau pour voir si ça fonctionne encore. On peut voir ici que c'est un beau petit téléphone très mince, en métal et non en plastique. Très très agréable à tenir en main. Essayons donc de mettre ça dans l'eau pour voir. Ça y est, c'est dans l'eau. On va s'appeler pour voir si ça fonctionne. On a vu que l'appel est rentré, mais qu'il est allé automatiquement en boîte vocale, probablement parce que le téléphone sait qu'il ne peut pas prendre d'appel. Il est supposé pouvoir rester 30 minutes comme ça jusqu'à 1 mètre sous l'eau. On peut... C'est sûr que là, l'écran tactile ne fonctionne pas, mais on le sort et on est encore capable de l'utiliser. C'est sûr que ça va moins bien avec les doigts mouillés, mais c'est fonctionnel et ça a passé le test. C'est une fonctionnalité très très cool qu'ils ont ramené sur le S7 qui était présente sur le S5. Est-ce que vous vous procuriez un téléphone haut de gamme de ce genre-là? À suivre sur geekbécois.com.